Nouvelle excursion avec Eri Thailand. Magnifique. Allez, on y va. Il fait chaud, 33 degrés. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça portera bonheur. Voilà, passez dessous le Puyana. Vous avez des ronds, je vais vous montrer. Ouais. Et vous passez dessous, ça vous porte bonheur. Bien sûr, passer dessous l'éléphant, ça porte bonheur aussi. Là, on est carrément en montagne et on va aller dans le temple qui est là-bas. Et il y a d'autres choses aussi à voir. Allez, c'est parti. Dernière image sur les... Sur les Puyana qui sont en forme de gardien. Donc c'est un lieu de prière, c'est un lieu de pèlerinage aussi. Vous aurez aussi pour les tambounes ici, avec la meshi, et ici. Voilà. Donc c'est la grande mode, hein. Ils aiment bien ces systèmes de grottes. C'est beau, franchement c'est beau. La nuit, ça va être magnifique. Ici, c'est là où il y a le moine qui consulte. Quand on dit consulter, ça veut dire bénir. Hein? Voilà. Avec l'eau bénite, ici, à l'intérieur. Alors, il y en a qui viennent prier Bouddha. Et après, ils prient les Puyana. Donc pourquoi on prie les Puyana, c'est aussi pour avoir de la chance, de la force. Même la mer, appelez. Donc on vient prier ici, là-dessous, où on va mettre de l'encens, des bougies, des fleurs aussi. Et on a l'eau bénite ici, qui est dessous, les Puyana. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. On va mettre les fleurs sous les Puyana. Et là, nous avons bien sûr les moines et Bouddha.